Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h, et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le 24 février 2022, qui restera donc une date dans l'histoire de l'Europe, avec un conflit majeur sur le continent européen, une offensive militaire russe sans précédent contre l'Ukraine, qui évidemment apporte énormément de stress sur les marchés financiers. On essaiera d'apporter quelques éléments d'analyse sur le plan macroéconomique, sur le plan financier, sur le plan monétaire, également en lien avec cette situation de conflit sans précédent, je le rappelle, sur le continent européen, avec bon, des actifs financiers évidemment qui encaissent brutalement le choc de la nouvelle et de l'invasion militaire russe en Ukraine. Des baisses très fortes sur les indices actions et sur l'ensemble des actifs risqués. On perd 4-5% sur les indices européens à mi-séance, et puis des valeurs refuges qui jouent leur rôle aujourd'hui. On pense à l'once d'or qui bondit, ou encore la partie obligataire, alors qui sert également un peu de refuge en ce moment, en contrant d'ailleurs les anticipations de hausse de taux des banques centrales qui étaient déjà dans le marché, avec des réunions importantes qui vont reprendre à partir du 10 mars pour la Banque Centrale Européenne. Et on peut imaginer que la tonalité sera un peu différente de celle de la précédente réunion pour la BCE qui se tenait le 3 février dernier, aversion maximale donc sur les marchés. Et puis c'est le sujet macroéconomique majeur, l'envolée des prix de l'énergie. Jusqu'où, pendant combien de temps, gaz, électricité, pétrole, tous ces produits-là voient leur cours flamber évidemment aujourd'hui sur les marchés, avec un prix du pétrole à trois chiffres désormais, à plus de 100 $, qui est déjà une étape symbolique, on va dire, qui reflète les enjeux économiques et énergétiques derrière ce conflit entre la Russie et l'Ukraine. La BCE, elle, a communiqué sans attendre pour informer les marchés qu'elle était très vigilante vis-à-vis de cette situation. Encore une fois, la BCE se réunira le 10 mars prochain avec une communication qui sera sans doute beaucoup plus compliquée qu'il y a 6 semaines. Et donc, les infos clés d'une séance de stress majeure sur les marchés financiers, c'est avec Alix Nguyen. Les bourses européennes, dont le CAC, dégringolent. Vive défiance à l'égard des actifs à risque. L'or et le pétrole flambent, les rendements obligataires diminuent sous l'effet de l'annonce dans la nuit par Vladimir Poutine du lancement d'opérations militaires en Ukraine. Pour rappel, à 4h ce matin, l'armée russe est entrée en action contre l'Ukraine sur plusieurs fronts simultanés dans le cadre de ce que les autorités ukrainiennes qualifient d'invasion massive. De nombreuses explosions ont été entendues à travers le pays par des journalistes et des responsables gouvernementaux dans au moins 4 villes ukrainiennes. Le pays a fermé son espace aérien et décrété la loi martiale sur tout le territoire. Vladimir Poutine a pour sa part annoncé avoir autorisé une opération militaire spéciale dans le Donbass, dans l'est de l'Ukraine, et demandé aux forces ukrainiennes de déposer les armes et de se retirer. On relève par ailleurs qu'à Moscou, le MOEX plongeait de plus de 45% ce matin, du jamais vu dans l'histoire de la place russe, et puis le rouble est tombé à un plus bas historique. 4 composantes du CAC se sont immédiatement inscrites en baisse à l'ouverture. Il s'agit de Renault, ST Microelectronics, Société Générale et BNP Paribas. Renault n'est autre que l'entreprise la plus exposée à la Russie. Il s'agit plus précisément de son 2e marché via le constructeur automobile Avtovaz, qu'il contrôle via une co-entreprise. Les banques sont elles aussi particulièrement sensibles à toute forme de dégradation des relations avec Moscou. Si depuis l'annexion de la Crimée, celles-ci ont fortement réduit leur exposition au pays, et si de nombreuses clauses figurent désormais dans les contrats qui lient les deux pays, les banques vont se trouver contraintes d'appliquer les nouvelles mesures internationales contre la Russie. Société Générale chute, BNP Paribas et Crédit Agricole aussi. Autres grandes industrielles affectées, Alstom, qui détient 20% du groupe ferroviaire local TMH International, dégringole. Saint-Gobain et Schneider Electric suivent le mouvement. Dans ce contexte, la plus forte hausse du CAC revient au groupe d'électronique de défense Thales. Les cours du brut bondissent, celui du Brent dépassant les 100 $ le baril pour la première fois depuis 2014, après l'attaque de Moscou contre l'Ukraine. Pour rappel, la Russie, le 2e plus grand producteur mondial de pétrole, a pour principal client l'Europe. L'Europe qui dépend de Moscou à hauteur de 35% pour le gaz naturel.
Tendance, mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Et c'est Nadia Garbi qui est avec nous en visioconférence pour entamer cette émission, économiste chez Pictet Wealth Management à Genève. Bonjour et bienvenue Nadia. Ce sont évidemment les questionnements macroéconomiques, financiers, monétaires qui nous intéressent en lien avec le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Nadia, tout le monde a en tête que le canal de transmission macro, notamment pour l'Union européenne, c'est celui des prix de l'énergie. Quelles sont les questions et les éléments de réflexion que vous pouvez partager avec nous sur le plan économique en lien avec cette question des prix de l'énergie qui nous amènera évidemment à évoquer la politique monétaire en zone euro avec une réunion de la Banque Centrale Européenne prévue le 10 mars prochain, Nadia. Oui, alors c'est vrai que le canal de transmission majeur reste le prix de l'énergie. Comme vous le mentionniez au début, l'Europe est très dépendante du gaz russe. C'est 47% des importations qui proviennent de la Russie. On a très peu d'alternatives, du moins à court terme. Et on est aussi dépendant du pétrole russe. Donc effectivement, si on a des prix de l'énergie qui se stabilise, voire qui continue à augmenter fortement en zone euro, on aura une inflation qui va rester de manière plus persistante à un niveau élevé. On est actuellement à 5%, mais on pourrait y rester plus longtemps que prévu. Alors ça a des conséquences et c'est difficile à estimer. C'est vrai que si vous regardez l'impact des prix de l'énergie sur l'inflation, on a l'impact direct, c'est 11% du panier de biens compris dans l'indice d'inflation. Vous avez les effets indirects via d'autres biens qui sont intensifs en énergie. Et enfin, vous avez des potentiels effets de second tour via les salaires. Donc tout ceci va booster l'inflation en zone euro. Mais d'un autre côté, vous avez l'impact non négligeable, négatif sur la croissance via le revenu disponible des ménages et l'activité des entreprises. Donc vous vous trouvez en fait dans une configuration où on pourrait avoir plus d'inflation, beaucoup plus d'inflation, mais aussi moins de croissance. Je dirais que la question clé pour la zone euro, c'est comment vont réagir les gouvernements d'un point de vue fiscal et dans un second temps la BCE. On pourrait très bien voir certains gouvernements en zone euro proposer de nouvelles mesures pour atténuer l'impact de ces prix de l'énergie sur les ménages, ce qui reviendrait à avoir un impact moins fort sur la croissance. Et au niveau de la BCE, c'est vrai qu'elle se retrouve face à un trade-off compliqué. Son mandat reste la stabilité des prix, mais effectivement, si vous avez moins de croissance, cela veut aussi dire que vous aurez potentiellement moins d'inflation dans le futur, et ça a plutôt un effet récessif. Alors, pour la séance du mois de mars, on pourrait avoir une Christine Lagarde beaucoup moins au quiche que ce qu'elle n'a été en février. C'est vrai que les discours qu'on a actuellement se sont montrés beaucoup plus balancés que la position de février. Intéressant, oui, effectivement. La BCE a officiellement communiqué dès ce matin pour signaler qu'elle était très vigilante et qu'elle suivait de près, évidemment, l'évolution de la situation de conflit entre la Russie et l'Ukraine. Et je crois même que le gouverneur de la Banque centrale grecque a d'ores et déjà estimé qu'il serait peut-être approprié de maintenir le programme d'achat traditionnel. Peut-être au moins jusqu'à la fin de l'année, désormais. Hein. C'est vrai que ça dénote très fortement du discours qu'on avait eu le 3 février dernier. Tout à fait, on est vraiment dans une situation très, très incertaine, difficile aussi à prévoir. Alors, en mars, on aura les nouvelles prévisions, les nouvelles projections de la BCE, avec certainement une forte révision de l'inflation. Au niveau de la croissance, ça reste tout de même inconnu à quel point la BCE va revoir ses prévisions de croissance à la baisse. Si vous regardez pour l'instant au niveau des enquêtes en zone euro, on reste tout de même à des niveaux assez élevés et solides, malgré tous les risques qu'on a actuellement. Mais c'est vrai que pour la BCE,
elle peut aussi se permettre d'être patiente et pour deux raisons. Tout d'abord, au niveau des salaires, on a eu les dernières données avec le dernier trimestre de 2021. On n'a pas de forte accélération des salaires. Et deuxièmement, au niveau des attentes d'inflation, on reste tout de même ancré autour des 2% malgré la forte hausse qu'on a récemment. Donc globalement, la BCE peut tout de même se permettre d'être patiente, indiquer, c'est vrai, une sortie avec potentiellement un agenda sur le programme d'achat d'actifs. Mais au niveau de la hausse de taux, on peut potentiellement maintenant les voir plutôt en 2023 et non plus en 2022 comme c'est anticipé par le marché. Ouais. La question clé, hein, si je reviens au prix de l'énergie, Nadia, et il n'y a pas de réponse à apporter de ce point de vue-là, mais qu'il y ait un spike des prix du pétrole, du gaz, de l'électricité lié au stress et au conflit géopolitique, c'est une chose. Mais la question, comme vous le dites, c'est quel sera le prix moyen de l'énergie sur les 3 à 6 prochains mois? Et si c'est très élevé, beaucoup plus élevé que les 3 à 6 mois précédents, ça change quand même fondamentalement le scénario macroéconomique pour la suite. Tout à fait, vous signalez vraiment le point clé. Est-ce qu'on est face à un spike et puis ensuite on va effectivement voir des prix de l'énergie qui se normalisent ou au contraire on va rester de manière plus persistante que prévu à des niveaux très, très élevés. La plupart des prévisions actuelles au niveau de l'inflation table tout de même sur des prix de l'énergie relativement élevés jusqu'à la fin du premier trimestre, dû essentiellement aussi aux températures hivernales. Mais effectivement, si ça se poursuit au deuxième trimestre, on pourrait avoir vraiment cette inflation qui reste durablement plus élevée, avec aussi la probabilité des faits de second tour qui augmentent via les salaires. Sur le plan des sanctions, Nadia, et c'est compliqué, hein, je sais, mais si on essaye de raisonner sur l'impact économique que pourraient avoir de nouvelles sanctions qui sont en cours de préparation, évidemment. Alors, force est de constater que déjà le premier round de sanctions n'a pas atteint les objectifs espérés, hein, puisque le conflit a lieu aujourd'hui. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a un levier économique pertinent pour ramener un peu de raison du côté de la Russie, ou est-ce que ça reste quelque chose de compliqué, y compris pour les pays européens eux-mêmes? C'est compliqué pour l'Europe. Il y a beaucoup d'intérêts qui sont très divers par pays. On l'a vu que la plupart des sanctions prises jusqu'à présent par les Européens consiste en un élargissement, voire une prolongation de mesures qui avaient déjà été prises lors de l'annexion de la Crimée. Donc on voit vraiment les Européens qui sont un peu empruntés sur le niveau de sanctions possibles. On est très dépendant de l'énergie en provenance de la Russie. Je dirais que ce qui a été symbolique, c'est peut-être ce qu'a fait le gouvernement allemand en gelant la certification du Nord Stream 2. C'est un symbole. Alors, on le gèle, hein, on ne l'annule pas totalement, mais tout de même, ça montre une certaine détermination de la part des Européens. Maintenant, il ne faut pas l'oublier. C'est vrai qu'on a tendance à regarder la dépendance européenne vis-à-vis du gaz russe, mais il ne faut pas l'oublier que les Russes sont aussi très dépendants des revenus européens. Au niveau du commerce direct, les exportations de l'Europe vers la Russie, c'est très limité, hein, c'est 3% des exportations totales, c'est moins de 1% du PIB. Donc de ce côté-là, les Européens ont aussi très peu de levier, même s'ils interdisent l'exportation de certains biens, ça reste tout de même très, très, très limité. Donc je dirais que les Européens vont encore essayer d'élargir un peu les sanctions déjà prises jusqu'à présent, mais ça reste tout de même assez compliqué de leur côté. Sans la véritable volonté d'aller jusqu'à débrancher la Russie du système SWIFT, visiblement, Nadia, en tout cas, c'est les dernières sources diplomatiques citées par Reuters ce matin qui indiquaient que pour l'instant, alors la question est posée, hein, faut-il sortir de la Russie du système de règlement, compensation des échanges financiers au plan mondial ? Visiblement, cette décision n'est pas encore prise, ça c'est sûr, et sera peut-être même jamais prise de ce point de vue-là.
Tout à fait, c'est compliqué. C'est plutôt une mesure qui est poussée par les Américains. On a un seul précédent, c'est l'Iran qui a été exclu du système. Après, il faut voir à quel point aussi les Russes se sont préparés à l'annulation de SWIFT. On sait qu'il y a des alternatives, et peut-être que les Russes se sont déjà préparés. Donc effectivement, ça paraît pour le moment peu probable. À court terme, cela serait effectivement une disruption. Maintenant, à voir si les pays, les Américains et les Européens vont franchir le pas, ce qui paraît peu probable, en tout cas, d'après les dernières nouvelles. Merci beaucoup, Nadia. Merci pour votre éclairage sur cette situation particulière. Effectivement, Nadia Garbi, qui est avec nous en visioconférence depuis Genève, économiste chez Pictet Wealth Management. Et on en vient directement aux enjeux de marché, aux enjeux boursiers, avec Franklin Pichard à mes côtés en plateau, le directeur général de Kipling Finance. Bonjour Franklin. Bonjour Grégoire. Bienvenue. Question très ouverte et partageons les réflexions, les questionnements. Alors en l'occurrence peut-être des clients de Kipling. J'imagine que le téléphone a dû sonner un peu dès ce matin, Franklin. Oui, pas tant que ça, mais ouais. Effectivement on sent qu'il y a davantage de fébrilité de la part des investisseurs qui cherchent quoi faire, comment au mieux protéger leurs intérêts et peut-être aussi voir quelle est la situation et comment il est possible de la jouer. Donc déjà, ce qu'on fait, on essaie de freiner ceux qui vous disent « je veux tout vendre ». L'expérience montre que ce n'est pas la meilleure décision à prendre. On a vu à travers la discussion que vous venez d'avoir, on a beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, on n'a que très peu de réponses. Et donc, effectivement, pour le volet de réponse qui s'avérerait négatif, dans ce cas-là, il faut avoir du cash. Et puis, si le pire n'est jamais certain, même si pour le moment, c'est l'hypothèse du pire qui est en train de se mettre en place, eh bien, les marchés peuvent rebondir et repartir au moment où on ne s'y attend pas. Et quand on a fait 100% de cash dans son portefeuille, l'expérience montre qu'on ne rentre plus, qu'on ne revient plus, parce qu'on a toujours de bonnes raisons pour décaler son entrée dans les marchés et rater ce mouvement de hausse, parce qu'après, on dit, ça y est, j'ai raté, c'est déjà trop reparti, etc., etc. Donc, dans le pire ou meilleur des cas, il ne faut pas faire plus de 50% de cash si vraiment on a le sentiment que, d'abord, on peut avoir une échéance et se dire si ça doit durer 6 mois, 8 mois, eh bien, il faut que j'ai ce cash disponible pour ne pas vendre dans les pires conditions. Si on n'a pas besoin de ce cash, eh bien, la part de liquidité peut être nettement inférieure et on fait le dos rond parce qu'on en oublie. Même si vous l'avez évoqué à l'instant, vous avez évoqué l'impact du pétrole sur la croissance, un ralentissement de la croissance, les résultats des entreprises qui viennent d'être publiés encore hier, encore ce matin, qui sont d'excellentes factures. Mais ça devait être le sujet. Ça aurait pu être le sujet. Je vous le dis, Franklin. Ça devait être le sujet. Et donc, je pense que les analystes vont revoir leur copie. C'est un petit peu tôt, mais si on a un pétrole à 120 ou 150 dollars, la donne est un petit peu différente de celle d'aujourd'hui où les à 102, 104. Donc, on va voir un petit peu comment ça va se passer. Je pense aussi que pour les nouveaux entrants, il y a des opportunités. Vous avez des titres qui baissent de plus de 20% depuis le début de l'année. Fnac Darty qui a sorti des résultats extraordinaires, qui perd 11% aujourd'hui et qui perd 20% depuis le début de l'année, vaut autour de 45 euros et il y a des objectifs à 65 euros par les analystes. Pareil, avant peut-être révision. Mais même s'il y a révision, on va parvenir à des objectifs à 45. Dans un autre domaine, autre secteur, on a eu des corrections très importantes sur téléperformance avec les analystes qui continuent d'avoir pour objectif autour de 450 euros sur téléperformance. Autour de 310 euros, on ne prend pas un risque majeur en mettant un doigt dedans. Donc, je pense que sur des événements et des séances comme ça qui baissent de 5%, c'est le moment pour initier des positions, pour commencer à accompagner soit de la hausse, soit de la baisse en complétant ces lignes. Mais il y a des tas de choses à faire. Et puis, vous avez évoqué à plusieurs reprises ce prix du pétrole. Il y a un tracker ETF sur le pétrole qui prend un petit peu moins de 8% ce matin. Si on est convaincu que le prix du baril va continuer de progresser
et pourrait rejoindre les niveaux de 150 dollars et même 120 ou 130 dollars, ça veut dire 20 ou 30% de plus que le niveau actuel, eh bien, oui, on peut se protéger contre ce risque inflationniste lié aux matières premières et au pétrole en particulier. Et ça, on peut le jouer à travers des ETF sur le gaz ou sur le pétrole. Et ça, ça cote au quotidien. Il prend 31% depuis le début de l'année, un peu moins de 8% aujourd'hui. Mais il va pour continuer sa hausse. Et c'est un moyen de garder des positions, d'être sur ce qui peut faire baisser ses positions, être sur des leviers qui, eux, vont jouer la hausse du marché, c'est-à-dire le pétrole, matières premières et autres. Et sur les entreprises que vous avez citées, c'est intéressant parce que, alors évidemment, il faut être courageux, il faut être patient, il faut se projeter au-delà du stress et du conflit du moment. Personne ne sait jusqu'où il ira, ni combien de temps il durera. Mais vous dites, pour certaines entreprises, le monde ne va pas changer à ce point-là. Un groupe comme Téléperformance, que vous avez cité, ou Fnac Darty, continuera ses opérations. Il n'y a pas d'exposition majeure peut-être au marché russe comme on peut avoir sur Renault ou sur Société Générale, etc. Donc, vous dites qu'il faut quand même raison garder. Et pour ceux qui ont déjà du cash, c'est peut-être des moments à regarder. C'est des moments pour commencer à regarder. Ou on peut même poursuivre sur des titres un peu plus industriels ou cycliques. Vous évoquiez, ou ça a été évoqué, Schneider. Schneider est quand même en baisse de 23% depuis le début de l'année. On est autour de 132 € sur Schneider. Au moment où on était au plus haut de l'année, tout le monde avait comme objectif 190, 200, 210 €. On est à 132 aujourd'hui. Téléperformance, on l'a cité, Fnac Darty, dans un autre domaine. AXA est autour de 24 €, perd 4,75. On perd 5% depuis le début de l'année. Mais les objectifs restaient à 30 € autour d'AXA. Donc en jouant certaines financières, moins bancaires, plutôt assurances. Automobile, Stellantis a sorti des résultats incroyables hier. Le titre est en retrait de 3%, donc il est flat depuis le début de l'année. Et les objectifs sont à 30 € pour un titre qui cote un peu plus de 16 €. Donc on a un potentiel d'appréciation dans ces trous d'air de marché qui peuvent, à travers un petit peu de cyclique, un peu d'industrie, un petit peu de financière, un petit peu de matière première, de composer un portefeuille qui protège un petit peu mieux et qui traverse un peu mieux cette crise qui financière et liée à la géopolitique qui, elle, ne fait que commencer. Là. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on parlait de l'aspect fiscal, budgétaire, monétaire avec Nadia jusqu'avant? Est-ce qu'effectivement, en cas d'aggravation et d'aggravation persistante de la situation sur le plan géopolitique et avec les conséquences économiques financières qu'on peut imaginer, est-ce qu'on peut imaginer que les banques centrales, les gouvernements apporteront un peu plus de protection que ce qu'on imaginait? Parce que ce qui est intéressant, c'est que ce conflit intervient à un moment où le marché était déjà dans un changement de régime, avec des perspectives de hausse de taux, de resserrement monétaire, qui avaient déjà, fait un peu baisser les marchés, pour dire les choses simplement. Oui, qui avait bien fait baisser les marchés, clairement. Mais là, la baisse de 10% du S&P 500, elle est aussi en grande partie liée aux effets monétaires, banques centrales, etc. Et 50% sur les plus hauts pour certaines valeurs technologiques américaines. Non, là, clairement, il y a 8 ou 10 jours, tout le monde vous disait, la Fed qui se réunit le 14 mars montera-t-elle de 50, voire plus, et en tout cas 100 points d'ici l'été? Je ne vois plus personne ce matin qui évoque cette possibilité. On évoque soit 25 points de base, soit peut-être même un report d'un mois de la situation. Maintenant, ça va être un jeu très compliqué. C'est un billard à trois bandes entre l'inflation liée aux matières premières, l'embrasement des prix, des salaires et cet événement qui arrive qui peut rebattre les cartes totalement. Évidemment, aujourd'hui, le rôle des banquiers centraux ne va pas être évident, mais comme ça a été dit par Nadia précédemment, il est clair en tout cas que les banquiers centraux ne sont plus dans le même état d'esprit, celui dans lequel ils étaient il y a une dizaine ou une quinzaine de jours. Est-ce que, au regard quand même de la vitesse du mouvement de la Russie sur l'Ukraine, pour dire les choses, encore une fois, hier, les discussions qu'on avait ici en plateau, ou enfin dans l'écosystème financier, c'était de savoir est-ce que ça s'arrête aux régions séparatistes pro-russes, est-ce que c'est l'ensemble du Donbass, mais personne ne voulait basculer dans le scénario qui est en train de se réaliser aujourd'hui.
est-ce qu'il y a déjà l'idée qu'il y aura des conséquences de moyen long terme ? Est-ce que c'est le monde qui change, l'histoire qui s'accélère, etc. La Chine ne désavoue pas la Russie, évidemment, dans cette intervention. Donc, tout le monde a en tête Taïwan. Enfin, voilà. Est-ce que c'est déjà des interrogations et des réflexions que les investisseurs ont pour comprendre peut-être comment le monde sera changé ou pas par ce qui se passe aujourd'hui ? Pour le moment, je pense que tout le monde est abasourdi par la décision de Vladimir Poutine et peu étaient ceux qui réellement pensaient sérieusement qu'il allait avoir une attaque croisée. C'est-à-dire qu'on ne les écoutait pas beaucoup. En tout cas, on ne voulait pas les entendre. On ne voulait pas les entendre. Il y en avait forcément. On va les entendre beaucoup plus désormais. Mais même aujourd'hui, ceux qui ne veulent pas accepter ce à quoi on assiste aujourd'hui disent oui, mais en fait, ils s'attaquent aux bases militaires pour verrouiller le Donbass. Et ensuite, où est la vérité ? On n'en sait rien. C'est beaucoup trop tôt pour le dire aujourd'hui. Et personne n'est dans la tête de Vladimir Poutine, qui est le seul à prendre les décisions. Il ne faut pas l'oublier. Donc, on va voir comment ça va évoluer. C'est beaucoup, beaucoup trop tôt. Et c'est vrai qu'on est obligé d'avoir une politique très, très mitigée, très prudente actuellement dans notre conduite des affaires financières. C'est clair. Sur l'idée des sanctions, je ne sais pas, même question qu'à Nadia. Est-ce qu'il y a un levier économique qui peut, calmer la situation ? Ou est-ce qu'on est dans complètement autre chose, avec un levier économique qui n'a pas d'impact sur les décisions de Vladimir Poutine, comme vous dites ? Alors, visiblement, les décisions économiques n'ont que très peu d'impact sur le mode de fonctionnement et la réflexion de Vladimir Poutine. Ce que je lisais ou j'entendais, c'est qu'effectivement, on n'a pas l'Occident défini là très clairement en caractère gras la limite et la limite à ne pas franchir avec les Russes. Et que si aujourd'hui on devait vraiment freiner à travers des sanctions économiques la politique menée par Vladimir Poutine, ça aura forcément un impact sur nos économies occidentales. Est-ce que Joe Biden, les Européens sont prêts à en payer le prix, les conséquences et préparer les peuples au fait que ça aura aussi une conséquence ? Rien n'est moins sûr et il va falloir voir justement si on ne prend pas ces décisions-là, eh bien on ne freinera pas Vladimir Poutine. Et puis enfin, vous parliez des règlements SWIFT, c'est quand même 40 millions d'opérations par jour. Et comme ça a été évoqué dans votre discussion précédemment, on peut imaginer, compte tenu du niveau de préparation auquel on assiste aujourd'hui, qu'il y a un axe avec les Chinois qui fait qu'il peut très bien se passer des règlements SWIFT. Oui, le risque, c'est plutôt que nos banques ou les banques étrangères ne récupèrent pas ce que les banques russes leur doivent. Exactement. C'est plutôt comme ça. Il faut regarder la situation. Merci beaucoup, Franklin. Merci de votre éclairage, encore une fois, dans ce moment particulier, spécial, avec ce conflit majeur sur le continent européen. Franklin Pichard, qui était avec nous en plateau, directeur général de Kipling Finance, en ce jeudi 24 février 2022, donc une date pour l'histoire européenne. Voilà pour cette édition Smart Bourse de la mi-journée. On se retrouve en fin d'après-midi à partir de 17h en direct sur Bismart.